Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est dimanche, voilà, j'ai fait une vidéo. C'est rare que j'en fais le dimanche. Aujourd'hui, alors complètement différent de d'habitude. Mais alors complètement. Comme vous avez vu dans le titre, c'est de la cuisine. Oui. Alors ça fait très très longtemps que je ne vous ai pas fait de vidéo cuisine. J'en avais fait quelques-unes il y a un petit moment. Et là, ça faisait vraiment un bail que je vous en avais pas fait. Et là, j'avais envie de vous la faire parce que c'était un peu spécial. Ce matin, je suis allée en cuisine et puis j'avais décidé de faire un gâteau. Mais un peu spécial, j'ai fait un gâteau trompe-l'œil. Voilà. Bon, en ce moment, ce gâteau, on commence à le voir. Un peu. Beaucoup. il y a quand même. On commence à le voir apparaître sur les réseaux. C'est l'éponge à vaisselle. Voilà. Donc cet après-midi, nous avons mangé une éponge à vaisselle. bon, c'était très amusant à faire. Et le résultat était, mais alors, bluffant. J'ai adoré le faire. De toute façon, j'avais même pas encore tout à fait terminé. Bon, je voulais pas que Chouchou le voie tout de suite. Et puis bon, il l'a vu. Et en plus, bon, j'aurais dû le faire hier parce que hier c'était l'anniversaire à Chouchou. Voilà. Et j'aurais du coup, j'aurais, ça aurait été préférable que je fasse ce gâteau-là hier. Bon, ça aurait été rigolo pour son anniversaire. Mais bon, je l'ai fait aujourd'hui. C'est pareil. Et du coup, il est venu dans la cuisine. Il me fait, tu fais une éponge? Donc voilà. Donc j'ai fait un gâteau éponge à vaisselle. Voilà. Donc c'est super rigolo à faire. C'est super simple à faire aussi. C'est un peu long. C'est un petit peu long à faire parce que bon, ben, il faut faire cuire deux gâteaux. Il y a des colorants à mettre. Bon, si vous n'êtes pas trop colorant, bon, ben là, ou alors à moins de prendre des colorants naturels. Hein. Moi, c'est les colorants liquides que j'ai. Bon, ils ne sont pas 100% naturels, mais bon, j'avais que ça sous la main, hein, tant pis. Quand je les aurai finis, de toute façon, je vais acheter des colorants naturels, mais bon. Pour l'instant, je finis ce que j'ai. Hein. Je ne vais pas les jeter non plus. Oui, donc il y a deux gâteaux à cuire. Bon, ça va vite à cuire quand même. Mais c'est de la génoise. Voilà. Et puis, vous allez voir au début de la vidéo, j'ai galéré. Alors, j'ai galéré. Pourtant, mon robot va super bien. C'est un Bosch. C'est un robot multifonction, vous savez, celui que. Bah, enfin, vous le verrez dans la vidéo, je n'arrive pas à expliquer. Mon fouet ne voulait pas aller jusque dans le fond. Et comme il y avait beaucoup de beurre à malaxer, le fouet, il mettait le beurre autour, et du coup, il malaxait pas le beurre. Donc, j'ai coupé la vidéo, j'ai changé de fouet. Pareil, ça ne mélangeait pas comme je voulais. Donc, à un moment, j'ai recoupé la vidéo et j'ai fini par prendre mon fouet électrique à main. Voilà. Mais comme tout était dans le bol du robot, j'ai voulu finir dans le bol du robot. Mais le bol du robot, vous savez, dans le fond, ça fait un petit rebord. C'est pas plat, si vous voulez. Ça fait un petit rond comme ça. Et du coup, avec le fouet à main, ça n'allait pas bien. Donc j'ai éteint une nouvelle fois la vidéo et j'ai tout transvidé dans un cul de poule. Et là, j'y suis, ça a été. Oh, je vous jure, je dis, c'est pas possible, je vais jamais réussir à faire ce gâteau. Et en plus, comme j'étais en train de le filmer, oh, c'était folklorique, hein. Mais bon, ça va, ça n'a pas empêché mon gâteau de se faire. Il n'a pas été raté, rien, heureusement. Parce qu'en plus, il y a quand même pas mal de beurre dedans, tout ça. Donc, j'aurais eu les boules que le gâteau soit raté. Donc, voilà. Donc, je voulais vous faire cette petite vidéo, pour une fois, pour changer.
de cette petite recette. Donc là avec mon gâteau, alors moi je l'ai fait cuire dans mon cake factory. Voilà, vous pouvez faire cuire au four. Donc moi je vais vous mettre. Alors je vous mets déjà les ingrédients en dessous de la vidéo, mais bon, en dessous de la vidéo, ça va toujours un peu vite. En barre d'infos, je vais vous remettre les ingrédients, je vais vous recopier la recette, et mais sinon je vais aussi vous mettre le lien de ma page de cuisine, voilà, où vous pouvez retrouver la recette, ma recette, et toutes mes autres recettes en même temps. Voilà, comme ça vous avez ma page cuisine, vous pourrez y aller également. Comme ça, ben, vous pourrez recopier si vous avez besoin, si vous voulez le refaire. Voilà. Bon, la recette n'est pas de moi. Je précise, la recette n'est pas de moi, puisque je vous dis, c'est une recette qui commence à être fait, à être faite par plusieurs internautes de réseaux sociaux. Donc, ce n'est pas une recette que moi j'ai inventée. Mais bon. C'est moi qui l'ai fait, par contre. Voilà. Donc, je vous mets le lien de ma page cuisine et je vous recopie la recette en entier avec les ingrédients dans la barre d'infos. Comme ça, vous pourrez recopier la recette si vous voulez la refaire. Voilà. Bah du coup, je me suis bien amusée. Donc, avec moi, avec le Cake Factory et avec les ingrédients qu'on a, on sait faire quatre éponges. Quatre éponges. Ça fait rigolo de dire ça, mais bon, il y en a que ça plaît pas. Je sais parce que j'ai mis sur des groupes, les groupes de Cake Factory. J'ai pu remarquer, bon, c'est pas un grand nombre, hein, c'est un petit nombre de personnes qui n'aiment pas. La vue de ce gâteau en forme d'éponge, les écœure. Mais bon, moi ça m'a pas écœuré. Hein. Je sais que c'est un gâteau, hein, donc bon, il est en forme d'éponge, c'est tout. Il y a d'autres gâteaux en trompe-l'œil qui sont beaucoup plus écœurants que de voir une éponge, genre le gâteau en forme de cervelle, par exemple. Des genres comme ça, des trucs. J'ai vu aussi une fois un gâteau avec des formes de boyaux. Là, d'accord, là, ça va m'écœurer. Mais bon, une éponge. Non. Non, ça m'écœure pas, moi, une éponge. Mais bon. Mais c'est le truc rigolo à faire, par exemple, si vous avez des invités à la maison. Vous faites ce petit gâteau-là, puis à la fin du repas. Une petite assiette avec une éponge. C'est marrant. Je trouve ça marrant. Voilà. Donc, je vais vous laisser visionner la photo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, comme d'habitude, en commentaire. Si vous avez des questions sur la recette, bah pareil, hein, n'hésitez pas à me le dire. Pareil, hein, moi, je vous ai dit, je voulais faire un cake factory. Je vais vous mettre en détail parce qu'il y a la version four et moi je vous mets en même temps la version Cake Factory au moment de la cuisson, puisque il y a une petite différence de temps, pas de température, mais de temps. Le Cake Factory, on va rajouter 5 minutes à peu près pour cuire, mais le four, le temps que je vais vous mettre sera nickel. Voilà, je pense à ça juste maintenant. Voilà. Donc, mais sinon, si vous avez une question, vous n'hésitez pas, hop, en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Allez, je vous fais des gros bisous. Et puis, bah, dites-moi si de temps en temps, vous voulez quand même que je fasse une vidéo de recette, comme ça, comme j'en avais déjà fait auparavant. Moi, ça ne me dérange pas de vous en refaire de temps en temps quand je fais une recette un peu. Pas ordinaire, mais un truc qui sort de l'ordinaire, justement. Voilà, si vous voulez que je vous le fais de temps en temps, quand j'ai une recette comme ça, je vous ferai une vidéo. Voilà. Allez, dites-moi si ça vous intéresse.
Allez, maintenant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous laisse visionner la photo. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Bisous, bisous. À bientôt. Bon visionnage.